Je nageais avec les saumons. Le lien que j'ai avec elle est un lien très fort. C'est un lien aussi rempli de respect parce qu'elle m'a toujours accompagnée. Elle m'a toujours écoutée, elle m'a toujours supportée. Elle emportait beaucoup de choses que je gardais des fois à l'intérieur, puis qui étaient lourdes. Elle, elle les emportait. Mais quand j'avais besoin d'écoute, elle était toujours dans la rivière. C'est un lien qui est particulier, mais c'est un lien, je pense, qui nous fait grandir. Elle est généreuse, cette rivière. Son chant est doux. Je la vois toujours aussi belle, toujours aussi grande. Je veux et je souhaite et je rêve dans le plus profond de mon âme que c'est essentiel de la protéger, de protéger aussi les autres rivières. C'est essentiel pour tous les êtres humains, pour l'eau, parce que l'eau, c'est essentiel, pour les arbres qui sont notre oxygène, l'air que nous respirons. C'est de la voir réellement comme elle est. Le son qu'elle donne quand elle coule, puis quand tu sais qu'elle coule tellement loin jusqu'à la mer, en plus qu'elle te nourrit, c'est comme ça qu'on doit la voir. C'est un défi aujourd'hui. Le rythme dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas le même. Je sens que les gens se réveillent à tout ça aujourd'hui. Ils ont gardé cette essence à l'intérieur d'eux. Il s'agit juste d'une petite flamme là, pour la réveiller. Je regarde ce qui se passe autour de moi. Je vois des gens qui sont tellement pressés, mais ils courent après quoi? Tu sais, ça sert à rien de courir aujourd'hui.